L'injection contraceptive. Bonjour, bienvenue dans notre série de vidéos sur les méthodes de contraception. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'injection contraceptive et de son utilisation. L'injection contient une hormone qui empêche la grossesse. Une seule injection tous les 3 mois vous offre une excellente protection contre la grossesse. L'injection est sûre, simple et pratique. Elle agit vite. Une fois que vous l'avez reçue, vous êtes à l'abri d'une grossesse pendant 3 mois complets. Vous n'avez rien d'autre à faire. L'injection est très efficace pour prévenir la grossesse, à condition que vous la receviez à temps. Elle n'a pas de conséquences sur vos activités sexuelles. Elle est également complètement discrète, ce qui est important pour certaines femmes. Personne ne peut savoir que vous utilisez cette méthode. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre. Un changement dans les règles interviendra chez presque toutes les femmes, mais cela s'améliore avec le temps. Alors essayez. Au début, les règles peuvent être irrégulières ou prolongées. Au fil des mois, les saignements deviennent souvent plus légers et moins fréquents. Avec le temps, il est courant de ne plus avoir de saignements du tout. C'est tout à fait normal et sans danger. Le sang ne s'accumule pas dans votre corps. Vous pouvez également prendre un peu de poids de manière progressive, avoir des maux de tête et des changements d'humeur. Ces effets secondaires s'atténuent souvent avec le temps. Après l'arrêt de l'injection, cela peut prendre plusieurs mois avant que vous ne tombiez enceinte, mais cela ne provoque pas d'infertilité. Votre prestataire de soins vous posera des questions sur votre santé pour s'assurer que vous pouvez recevoir l'injection en toute sécurité. Mais c'est une méthode très sûre pour presque toutes les femmes. Vous pouvez commencer l'injection à n'importe quel moment, tant que vous êtes sûre de ne pas être enceinte. Il faut une semaine pour que l'injection devienne pleinement efficace. Il est donc important d'éviter les rapports sexuels ou d'utiliser des préservatifs pendant cette première semaine. Si vous allaitez, vous pouvez commencer l'injection 6 semaines après l'accouchement. L'injection est le plus souvent administrée dans le muscle de la partie supérieure de votre bras. Ne frottez pas la zone après la piqûre. L'injection doit être absorbée lentement. Au bout de 3 mois, vous devez revenir pour votre prochaine injection. Il est important de la recevoir dans les temps. À partir de la date d'aujourd'hui, comptez 12 semaines. L'injection sera plus efficace si vous la recevez à cette date. Vous pouvez encore recevoir l'injection jusqu'à 2 semaines plus tôt ou 4 semaines plus tard. Mais au-delà de 4 semaines, vous devez éviter les rapports sexuels ou utiliser des préservatifs et revenir pour votre injection dès que possible. Demandez une carte de rappel à votre prestataire de soins ou notez les dates. Consultez votre prestataire de soins à tout moment si vous rencontrez des problèmes. Il est important que vous soyez satisfaite de la méthode et qu'elle vous convienne. Et n'oubliez pas, soyez prudente. Procurez-vous une réserve de préservatifs. L'injection ne vous protège pas des infections sexuellement transmissibles. Seuls les préservatifs le font. Gardez à l'esprit les points suivants. L'injection est sûre et facile. Elle provoque des changements dans vos règles qui s'améliorent avec le temps. Et elle est très efficace quand vous obtenez votre injection à temps. Apprenez tout ce que vous pouvez sur votre méthode contraceptive afin de vous sentir en confiance et en sécurité. Et ne tombez enceinte que lorsque vous l'avez décidé. Vous le valez bien.